Eh bien le bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ici Draken pour Evasound Studio. On se retrouve ce soir sur notre aventure Borderlands, toujours en compagnie de mon ami Jake. Bonjour Jake. Salut. Donc, nous sommes toujours sur Borderlands Gothic Unanswered. Ne vous moquez pas de mon accent. On était arrêté la dernière fois, on avait fini des quêtes dans une grotte de mémoire et on devait trouver la scientifique Patricia Tanis et faire d'autres quêtes, beaucoup d'autres quêtes. Alors, le jeu, je vais vous afficher le jeu. Je coupe mon téléphone. Je n'ai pas On le n'a pas du temps. tout entendu. Oui. Non, non, tu l'as entendu ou pas? Oui. Ah. Après, le téléphone est juste à côté du micro, donc. Ah, c'est. Notification, c'est mes parents. Ils viennent dire bonjour. Alors, écran de jeu étendu. Alors, normalement. J'espère que ça va pas bugger comme la dernière fois. Parce que la dernière fois, ça avait pas mal de drops de FPS. C'était assez gênant. Du coup, j'ai fait 2-3 modifs dans les fichiers de config du jeu. Ah oui, carrément. Déjà, j'ai changé la résolution. Parce qu'en fait, il bloquait la résolution en 1280 sur 720. Donc là, je l'ai passé en 1980 sur 1080. Donc, bon, le chat, vous voyez pas grand-chose, puisque. Enfin, et la VOD. Parce que je stream déjà comme ceci. Donc, normalement, ça devrait être bon. Tac. Normalement, vous devrez pas avoir trop de lag. Et du coup, alors, voilà, Jake est déjà parti en train d'ouvrir des coffres. Donc, Ah bah l'argent. on était arrêté à New Haven, qui est le nouveau paradis. Titre de la VOD numéro 4 sur YouTube, qui sortira bientôt. Normalement, vous l'aurez déjà vu si vous regardez cette VOD. Alors, de mémoire, les quêtes qu'on a. On a plein de quêtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 quêtes à faire. Et elles sont toutes au même endroit. Eh bien, on va devoir changer de zone. C'est parti? Attention, il y a des ennemis là-bas. Alors, comme je n'utilise pas assez souvent le sniper, voilà. J'ai de la. J'arrive pas trop bien à viser, la vache. Alors, j'ai regardé au niveau des succès de map, si je ne dis pas de bêtises. Il nous reste encore trois grosses zones à faire. D'accord. En comptant la dernière zone. Après, sans compter les DLC, bien évidemment. Parce que nous avons les DLC. Alors, espérons que ça ne va pas crash. Ça ne crash pas, c'est parfait. Alors, les différentes quêtes. On en a une là. Pièce détachée pour scooter. C'est là-bas. Ah oui, on a d'autres quêtes également. On en a une là, c'est la plus proche pour le moment. Elle, c'est au même endroit. Et un SMG. Eh ben, on va faire l'oreille en coin. Où on va devoir déboucher des tuyaux. Et là, il y a deux quêtes à récupérer plus tard. Donc c'est parti. Et tiens, c'est bizarre que ça ne nous a pas sauvegardé sur cet endroit, parce que de mémoire, dans le dernier stream, on s'était arrêté là. De mémoire, on s'était arrêté dans cette zone, puisqu'on avait fait le duel. Le fameux Oui, duel de, oui, oui. le fameux duel de fin. Oui. Donc c'est parti. Donc là, on va devoir aller déboucher des Oui. tuyaux. Ah, Pardon. tes souris. J'ai prévenu, j'ai froid. Oui. Mais je lui ai dit, le chat, je lui ai dit de prendre un plaid, mais il veut pas. Mais va chercher ton plaid, comme ça tu vas pouvoir jouer tranquillement. Vache, il faut que je. Il y a des grosses chauves-souris là-haut là.
Ah, des racks. Oups. Ouais, ils vont venir. Un tir. Bon, après, ça va, ils sont faciles à tuer. Puisqu'ils te foncent dessus, donc. Normalement, ça devrait être bon. Alors. Continuer. Ils auraient dû mettre une voiture. Mais il y avait pas une autolock en bas? Ah non, elle est là-bas. L'autolock, elle est à droite. Ah tiens, il y a un pipeline. C'est le gaz russe. Mais j'adore, c'est que t'as quand même le pipeline. Plus t'as des fleurs juste en dessous, quoi. Genre, ouais, des gros tournesols, mais là, ouais. Ma première impression, c'était « Oh, des fleurs du rêve d'émeraude !» Puis après, bah non, on n'est pas du tout sur vous. Ah oui, ah bah oui, bah tu en parlant de vous... Prochain patch, le dernier patch est sorti. Et une annonce le 18 mars. 19 avril pour... Ouais, 18, Hearthstone, c'est le 15 mars. 18 avril pour la prochaine extension. Et juste après. On met le jeu mobile. Ouais, on met le jeu mobile. Alors je me demande vraiment bien ce qu'ils vont faire en jeu mobile. Parce que même Diablo Immortal. En Warcraft-like. Ouais, mais surtout c'est que Diablo Immortal, ça fait quand même 3 ans qu'ils l'ont annoncé. Bon, certes, la commune n'a pas trop envie de ce jeu-là. Mais... Si, maintenant, enfin, avec les tests qu'il y a eu et. Ils sont énormément améliorés, le jeu fait beaucoup plus envie. Hein. Ah ouais? Ouais. Parce que, bah, enfin après. Donc on a débouché les tuyaux. Il prend cher. Tu vois, j'ai même pas encore commencé le nouveau patch. J'attends la sortie de la première aile dans le donjon de raid. Pour finir déjà l'ancien donjon. Enfin, l'ancien raid là avec Sylvanas en boss de fin. Et par contre, j'ai vu qu'il y a des cinématiques qu'ils ont fuitées. Ouais, j'ai vu les cinématiques. Les cinématiques de fin. Mais j'ai l'impression qu'il manque un bout de la cinématique. En fait, je la trouve hyper courte. Ben, j'ai juste vu un passage où, enfin, pour moi, on dirait que, on dirait que c'est pas la vraie cinématique de fin, en fait. Bah, il y a un goût d'inachevé, ouais. Par contre, la façon de ce qui arrive. Alors, je vais pas spoil. Mais j'arrive au geôlier à la fin et j'étais là, pardon. Alors, je suis vraiment sur la cinématique de fin quand il est battu. J'ai bugué, j'ai dit pardon. Et pour moi, j'ai eu une hypothèse dans ma tête, mais en mode, mais c'est. C'est pas la fin d'un méchant. L'histoire du monde est une grosse arnaque en fait. On le sait que. Bissab Blizzard l'avait dit, Steve Danusser, grand chef de Blizzard, l'a dit dans une interview, comme quoi les histoires comme là, l'histoire des titans, genre l'origine du monde avec les titans, et comment il s'appelle, le panthéon des dieux, bah en fait, toute l'histoire qu'on avait avant ça, c'était du point de vue des titans. Oula. Oui, non, ça d'accord. Ce que je veux dire, c'est vraiment à la fin de la cinématique où le geôlier est battu, le geôlier, il se passe quelque chose, hop là, par rapport à lui-même, hein, vraiment à lui-même. Ouais. Et je me suis dit, mais non, mais si lui... Il devient comme ça, ça veut dire que tout le monde est comme ça. Et je remets en cause l'intégralité même de l'existence de la vie sur World of Warcraft. C'est quoi ça? Oh, ça pas une case, ça. Après, je trouve que ça... Je me demande vraiment ce que ça va être la prochaine extension. Ben, je sais pas. Moi, ça sera... on va retourner en Azeroth, surtout par rapport à la cinématique d'introduction du combat du geôlier. Alors, je l'ai pas vu ça. Bah, la cinématique d'introduction du combat, c'est un rapport direct avec les donjons de World of Warcraft. C'était la Forge des âmes. Ouais, c'est ça, la Forge des âmes. Le donjon de la Forge des âmes. La Forge des âmes. Oh, franchement, je m'en souviens même. Bah, en fait, il met en marche des moteurs qu'on n'avait pas soupçonné qu'il y avait dans cette zone-là. Et en fait, c'est clairement logique, en vrai, hein, c'est très très logique.
Et quand j'ai vu ça, j'ai fait ah ouais, quand même. Mais ce qui m'a dérangé, c'est vraiment la cinématique de fin du geôlier. Là, j'ai bugué. Ce qui lui arrive, j'étais là. Ah, quand même. Mais par contre, je suis en plein questionnement sur la prochaine extension. Bah ouais, parce que. Par rapport à Azeroth en elle-même. Bah, franchement, après, il y a beaucoup de théories qui disent que ça partirait sur la face cachée d'Azeroth. Puisque actuellement. Bah ça, j'ai envie. Hein. On est curieux. J'attends que ça, moi. Ça fait des ouais. Extensions et des extensions que j'attends que ça. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va être sur les. La prochaine extension va être sur les dragons. Bah, si c'est les îles dragons, en vrai, il serait temps, parce que depuis le temps qu'on en entend parler. Ah oui, oui. Mais pour moi, c'est pas forcément sur la face cachée d'Azeroth, ça. Parce que bah, c'est. Oh, ils vont nous sortir un gros continent, évidemment, parce qu'il faut du contenu extension. Oui, oui. Mais les îles aux dragons, normalement, ne doivent pas être si grandes que ça. Bah, ouais, mais c'est ça, c'est surtout que. Oh, merde, oui, c'est ça. Parce que les îles aux dragons, à l'origine, c'était au niveau de la presqu'île de Kaltalas, au nord des clairières d'Astirisol, c'est une zone. Qui était déjà sur les royaumes de l'Est. C'est là où sur Ivalice on avait fait la zone des mariages. Ah. Je n'ai jamais fait de mariage sur Ivalice. J'ai même pas eu le temps de voir ce qu'il y avait dans le coffre. C'est pas leur jour. Une arme nulle. hop, il y en a un sur le toit. Je vois pas les ennemis, ils sont où? Sur le toit. Il y en a un sur le toit. Et ils viennent de passer. Hop. Mais ouais, là, franchement, je vais attendre déjà que j'attends la prochaine. Au moins la sortie du raid, parce que. Oui. Parce que là, certes, j'ai dit, j'ai même pas encore vu la nouvelle zone. J'ai même ah pas. Ah oui, d'accord, j'ai pas du tout allé à Zeras Mortis. Ah non, je n'ai même pas fini la dernière aile de donjon avec Sylvanas. D'accord. Je m'étais arrêté à l'avant-dernière. Normalement ça devait laisser enfin, la dernière aile de sortait 2 semaines après et en fait j'ai arrêté mon abonnement, je suis parti sur un autre jeu et j'ai dit ouais c'est pas ouf, puis c'était aussi pendant la période scandale bizarre et tout machin. Ah oui, oui. Donc, bah, ils sont toujours un peu en scandale en vrai. Oui. Le top Bobby Cotty qui sera là. Cible touchée. Hop. Ouais, non, j'ai même pas fini la dernière aile. Quoi. Donc Zereth Mortis, dans les vidéos que j'ai vues sur YouTube, genre Yonatel, etc. Mais Yonatel, il va en reparler des dernières vidéos là. J'ai vu à peu près à quoi ça ressemblait. Avec apparemment une grosse boue géante, etc. Ouais. Mais sinon, non, j'ai pas encore vu. Je vais attendre au moins la première aile que ça sort. Et puis. D'accord. Voilà. Ça va. Merci. Oula, y'en a un là-bas, oula. Oula. Oui, quoi, c'est un nick explosif. Par contre, là, Tinitina et le dragon, là. Je vais l'acheter. De Borderlands. Ouais, de Borderlands, ouais, le prochain jeu, je vais l'acheter. Mais maintenant, il faut savoir, c'est est-ce que je prends l'édition standard avec juste le jeu ou je prends l'édition avec le Season Pass. Parce que d'habitude, dans les jeux Borderlands, ils sortent pas mal de DLC. Donc c'est cool, mais je sais pas s'ils vont sortir beaucoup de DLC. Mais t'es méga fan du jeu, donc autant en profiter. Ouais, mais oui. Mais c'est surtout qu'en fait, si c'est les DLC à la Borderlands 3 où ils ont sorti vraiment que... deux vrais DLC ou trois et après c'est juste ouais vous pouvez changer de classe en plus et les fameux DLC dû
Je te ponds une arène avec 10 vagues, dont 5 vagues brutales, et puis voilà, c'est bon, c'est ça ton DLC. Oui, d'accord, je comprends. Tu vois, bah parce que là, comme là, dans Pré-Séquel, le tout dernier DLC, c'est l'Holodome. Et le DLC de l'Holodome, c'est juste des vagues d'ennemis qui arrivent en boucle. Tu vas rendre une quête, tu fais la vague. Tu vas rendre une quête, tu fais la vague, et voilà. Donc c'est ça quoi, ça m'attriste un peu si c'est ça. Surtout que vu qu'ils l'ont vu comme un spin-off. Donc je sais pas. Mais en tout cas, oui, je vais l'acheter. Alors, il y aura une quête sur la droite, après qu'on pourra les récupérer. D'accord. Et là, on va récupérer des journaux. Ah tiens, j'ai un point de compétence. Ah bah du coup, je vais pouvoir mettre... Putain, je suis déjà level 25, là. Je vais pouvoir aller dans deux branches différentes. Alors, je sais pas si c'est level 30 ou si c'est level 25 max. J'espère que c'est pas level 20 ou level 30, parce que sinon... ça va être un peu compliqué. Parce que là, on est qu'à la moitié du jeu, on est déjà level 25. On est à la moitié? Ouais, à peu près, ouais. Je crois que si on est à peu près à la moitié. Ouais. Parce que là, en gros, on doit aller trouver Tanis, qui va nous expliquer la clé de l'arche, et elle va nous donner des quêtes pour aller récupérer les... Oh, il y a un Rakinichu. Ça fait penser à Akichu le moineau dans Karate Boy. Je sais pas là. Tu connais pas Karate Boy avec Davy Mourier et Poulpe? Ah oui, oui, j'ai rien dit. Avant d'être un homme, c'était un enfant. Le young Karate Boy suivait son entraînement. Et avec son maître Sensei, son deuxième élève, le maître Sensei, c'était Akichu le moineau. Et en fait, c'est juste une vidéo d'un pigeon qui s'envole et qui est assis sur une rambarde. Et c'est toujours la même. C'est toujours la même vidéo qui font juste un swap de droite à gauche en fait. ça me tue à chaque fois. Akichu le moineau. Hein? Il y avait plein d'argent par terre. Oh! Après, c'est un boss, je crois. Enfin, c'est un mini-boss, Akichu. Enfin, Rakinichu. D'accord. Un bouclier, un deuxième bouclier. Et du coup, on va pouvoir aller chercher la quête là-bas. Et il y aura l'autolock. Et on va pouvoir surtout vendre notre équipement parce que. Fais gaffe, il y a un machin à gauche. Là. Ouais, on va le tuer. Un hyménoptère. Gros vert. Oui, ça passe. Ça passe. Rien. Juste... du tout. Oui, c'est normal. Il faut viser son point faible, qui est son cul. Enfin, son derrière. C'est quoi Oui, c'est F. Oui, F. Son point faible, c'est son derrière. D'accord. Reviens sur moi. Genre, il y a pris zéro dégâts. Comment ça, cours de munitions? Pardon? Ah, mais attends, je t'entends dans le jeu, c'est vrai, j'oublie toujours de couper ton son! Ah! Ah, tu m'entends? Enfin, je t'entends, mais Attends. Je t'entends en décalé. Alors, n'oublie pas que t'as une mitraillette et tout, hein? Un fusil à pompe, hein? Donc, du coup, faut viser cette FS. Oula, il y en a un autre derrière toi. Ah ouais, quand je me calme? Il y a un deuxième corrupteur derrière toi. En fait, faut le taper quand il tire dessus. Aïe. Alors là, par contre, ne meurs pas, hein, parce que moi, je suis loin. Mort. Oh, le critique. En fait, eux, vas-y, essaye de... Voilà. Oh ouais. GG. Il y a un autre quelque part. Ouais, mais attends, parce que... Il y en a encore un derrière.
Par contre, je suis déçu, moi. Oh, c'est un petit, ça va. Voilà. Et on a tué genre, quand même. Ça, il avait plus de munitions, quoi. Ah, tiens. Oh, classe soldat. Oula. J'aime pas le bruit. Ah, je l'ai déjà, mais je vais pouvoir le vendre. On s'en va. Ok. Après, bah ouais, mais tu fais que tirer au snipe, donc c'est normal que t'as plus de munitions. Bah ouais, mais j'avais fait le plein avant qu'on parte. Oh. Après, normalement, ils vont nous lâcher. On va pouvoir en racheter. Il y en a là-bas. Il y a l'autolock et tout. Ça devrait aller. Allez, hop. Alors, là, ça sauvegarde. Parce que moi aussi, hein, là, il me reste plus que 6 balles. C'est ici qu'elles vivent, les bagnoles. T'en veux une ? C'est pour ça. Alors, on va vendre les objets. Et il me faut. Shotgun, revolver, repeater, pistol. Combat rifle à 600. Ça, on est bon. N'oublie pas que tu peux améliorer tes armes. Enfin, la contenance de tes armes. Combat rifle. Les boucliers, il n'y en a pas des ouf. Comment je vais améliorer SMG, non. Shotgun. Le shotgun. Les lance-roquettes 48, les grenades 6. Voilà. Hop, le sniper à 48. Ici les munitions. Ouais, c'est à gauche. À la droite. Arrange la bagnole. Hop. Et du coup, là il faut aller où? Oh là là, j'ai plus d'argent. Il faut aller là. Pièce détachée pour scooter, c'est dans le sud. Armement, la cargaison, c'est là-bas. Submachine gun. Attends, il n'y avait pas une quête? Y a pas une quête dans le coin? Ouais. Ah non, d'accord. Ah non, c'était le. Ah d'accord, le inconnu, c'est juste la station Tolok. Je pensais que c'était une quête, moi. Oh, je suis déçu. Bon, allez. Donc on va chercher les deux derniers journaux de Tanis. Ah la coffre. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors... Top. Le langage, monsieur. Il y a de la vie, hein. Une autre encoche sur mon arme. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le coffre? Bah, quand même. Easy. On a des armes ici. Alors, Oh, la mitraillette explosive pourrait être pas mal pour toi. Et sinon, moi, le gun, il m'intéresse pas. Enfin, aucun rien ne t'intéresse ? Aucun des deux. Bien. Mais toi, si tu veux, tu peux prendre la mitraillette explosive. Oh, attends, je change d'arme. Vas-y. C'est quoi? Terrible SG31 Matador, c'est un fusil, ça, on est d'accord? Ouais. Donc moi mon fusil c'est le terrible. C'est une mitraillette. C'est un fusil d'assaut. D'accord. Les deux, t'en avais un, c'était fusil d'assaut et l'autre c'est un fusil à pompe. D'accord. Et après on aura des armes héridiennes qu'on pourra avoir à la fin. Tu vas où? Ouais. Adieu.
tirer dessus. Celui-là. Oh mon dieu, le... Ok. T'inquiète. Je pensais pas que t'allais sauter. Ouais, t'inquiète. J'ai fait exprès pour mettre là. Voilà. Ah, les voitures, elles... ça roule pas, ça roule pas. Elle a pas la direction assistée. Alors, là, tu peux viser les racks plutôt. Ils font dessus. J'en ai beaucoup des racks. Mais il touche la voiture, il meurt, il tombe. Attends, la voiture elle est pas en mouvement. Hein. Attends, faut que je baisse, faut que je coupe ton son. Comment on fait pour couper ton son? Déjà, voir le salon. Dès qu'il va sound. Activer joueur muet. Voilà. Et ça s'entendait sûrement. Non, enfin, c'est très bas, hein, t'inquiète pas. C'est pas génial. C'est juste que je l'oublie à chaque fois en fait. Pardon ? Avant de faire succomber 4 de mes ordinateurs, mon programme a pu déchiffrer un gros morceau qui m'était resté incompréhensible jusque-là. D'accord. Je vais mettre plusieurs jours à remettre mes ordinateurs en état, mais j'ai pu identifier plusieurs itérations d'un événement qui se produisait tous les 200 ans. Il y est fait allusion de nombreuses fois, avec un symbole qui a un peu l'air d'un cercle contenant un verre renversé. Il est possible que l'arche passe tous les 200 ans. Ce soir, pour dîner, je crois que je vais manger des œufs. Donc, elle devient vraiment dingo à force d'être toute seule et en fait elle se plonge dans ses recherches sur l'arche. Parce que le symbole dont elle parle, c'est le symbole de l'arche. Bien évidemment. Oh bah tiens, il y a encore le rack brutal. Le rack brutal. Hein. Hop, et voilà. Je fais un peu d'XP. Donc ici, nous avons la quête qui sera par là. Il faut descendre. Alors, il faut tuer. Il faut trouver une aile avant, deux ailes avant, deux ailes arrière et des réservoirs de carburant. Cible touchée. Alors, une aile avant. Ah, mais c'est parce qu'il y a des voitures au-dessus. Je vais essayer. Il y a des coffres partout, Jake. Attends, je vais te dire. Ça retape. Nul. J'adore ça. Oula, 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 oula. Qu'est-ce qui me tire dessus? Qu'est-ce qui me tire dessus? Ah, il y a une mitrailleuse. Oui, c'est ça. Une toile Gatling. Donc elle est morte. Le heal. Je t'ai mis un peu. Il y a une autre toile Gatling. Focus, hein, elle me focus la tourelle Gatling. Oui, c'est vrai. Ah, Sanguine, elle va y aller. Alors. Ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Oh, il y en a une autre au fond. Ouais, c'est pour ça. Tu peux venir, Massi, tu peux venir, Mali. J'arrive. C'est où? Derrière toi. Merci. Parce que j'essaie justement de tuer celle qui est dans le fond, mais c'est compliqué. En plus, elle me suit, quoi. Ça. Voilà. Je fais le tour. Hein. Toi, t'es mort. Il viendra le loot après. Hop, une deuxième aile. Du coup, si on fait le tour,
On l'a. Voilà, c'est bon. Et détruite. Là, il faut aller là-haut. Ah tiens, en plus, il y a un vendeur d'armes. Si jamais tu veux peut-être acheter des nouvelles armes. Oh oh! Pour toi, je te prends. Attends. Oh mon dieu, le roquette! Ouais. Mais je vais pas l'acheter par contre. Alors, je vais changer ma mitrailleuse. Qui est pas mal. Tac. Et. Ah, attention! Pardon! Merci. Donc, j'ai une nouvelle mitraillette. Aussi des sous-sous. Il faut aller sur le plafond. Comment on monte? Ah oui, il faut monter là. Voilà, il faut monter là. Il faut monter là. Comment t'as réussi? Comment t'as fait? J'ai sauté, je sais pas. Comment t'as fait? Ah vache, ah oui, il faut vraiment, c'est vraiment la limite. Et il nous faut un réservoir de carburant qui est ici et il nous faut le moteur qui est là-bas. Alors, on monte là, on monte là. Hop! Donc ça c'est bon. On a fait cette quête. Alors, l'autre quête qui est dans le coin. Journal caché, il est derrière. Récupération SMG, c'est en dessous. Et Tanis, c'est. Bah, elle est où Tanis? Ah non, Tanis, elle est tout en haut. Oh, sérieux? Tanis, c'est même pas dans cette partie-là. Et ben, je vais chercher le journal et après, on va faire la. On va aller chercher une mitrailleuse. Enfin, une mitraillette. Okay. Les pieds, on va chercher les fameuses pièces. Mais avant ça, il faut le dernier journal. Et en plus, il y a une autoloc juste à côté. Hey, c'est ici l'autoloc pour louer des autos. Tu peux la ravaler avec des jolies couleurs. Hop. Il y a des ennemis. Oula, musique. Ouais. C'est plus que d'un mini d'un brutal. C'est génial. Oh, je crois qu'il doit y avoir un moteur quelque part. Oula oula. Oula oula. Là. Moi je reste dans ma tourelle. Hein. Il doit être en haut, je crois, le dernier. Ah non, même pas. Oula, par contre, regarde, viens voir. Faut monter sur le. Monte sur le tuyau. Non. Sérieux? Et... Ah bah. Tombé. J'ai trouvé l'ennemi. Monte sur le tuyau, et puis on saute. Et on a des armes. Un sniper pas mal. Coup que non. Il perd pas mal en dégâts si tu le prends. Prends-le, prends-le. Alors, ça on l'a fait. Il faut aller chercher les pièces de la submachine gun qui sont en bas. Et ensuite. Ici scooter. Hey, t'es prêt à y aller comme un débile. Chope un véhicule. Et après, on va devoir remonter tout là-haut pour aller voir Tanis. Déjà alors. On va se mettre là comme ça au moins. On est sauvegardé si on meurt. Et on va aller là-bas.
Oh là, il y a du monde. Ouais. Mais on doit aller trouver les pièces. La petite décharge. Donc déjà, je vois une pièce en haut. Pourquoi il me met chaque fois il me trompe de d'arme. Oula, oulala, oulala. Balance des grenades, hein, si jamais t'as des grenades. N'hésite pas. Alors, il faut déjà, il faut monter. Donc, comment on monte? Parce que là, il y a une pièce. Ah, et là aussi. Ah, d'accord, ils mettent des pièces, mais il y a des murs invisibles. C'est logique, ça. D'accord, j'étais bloqué, quoi. Bah, je vais chercher les pièces. C'est du parcours. Bah ouais, mais c'est parce qu'il y a une pièce là-haut. Comment tu sais qu'elle est là-haut? Bah tu, en fait tu peux la voir quand tu viens ici. Oh bah d'accord, ok, c'est bon, j'ai... Tu l'as vu? Ouais. Alors, non, je sais pas si on peut tirer. Et du coup là on peut monter. Tu vois, il y en a une aussi là. Donc là je peux la récupérer. Ah d'accord, il faut qu'on monte là, ok. C'est bon, j'ai trouvé. Il y a encore des ennemis. Voilà. Et en fait, on peut faire le tour. Ah bah c'est la dernière pièce. Alors là, il faut... Hop. Mais il y a un mur invisible. C'est sérieux? Il faut qu'on saute et ils ont mis un mur invisible, les méchants. Elle est où la pièce? Elle est tout devant. Ok. Ah non, d'accord, j'ai compris. Il faut sauter là. Il faut sauter là. Vas-y, Jack, tu peux le faire. Allez, Jack, vas-y. Non, mais... Tu sautes là, et après tu sautes avec... C'est pas grave, c'est pas grave. Il doit sûrement avoir des trucs là-bas aussi. Oh, ça m'a l'air d'être une zone de boss. Ah bah c'est une des zones d'arène. Hop, ça pas besoin. Est-ce que je peux pas acheter un nouveau bouclier? Oh oui. Oh, le bouclier Nova de Nova électrique, ça va être pas mal pour moi. De 279, je passe à 400 boucliers. C'est pas mal. Tu devrais regarder parce que t'as un bouclier. T'as un bouclier qui fait 311. Posez secours, solution équipée. Moi je suis chasseur. Oui. Je vois des modules de classe. Hein. Niveau 19 et niveau 22. Oh, t'as le niveau, t'as le niveau. Attends. C'est où? Alors, je vois moi. En gros. Il y en a un, il te donne plus 2 dans la compétence impact aérien. Il te fait plus de dégâts de sanguine et dans la compétence vampire. Je peux pas les acheter, moi, c'est pas. Okay. Si je vois le prix, je peux pas du tout les acheter. Si, regarde. Tac. Moi, je peux te l'acheter, je peux te le donner. Hop. Yeah. You. Yeah. Ça, tu feras plus de dégâts avec sanguine et. Dans certains, ça va te booster certaines compétences en fait. Ah ouais, quand même. 36 dégâts avec sanguine en plus, et après t'as des gros joueurs aussi, t'as la compétence vampire, et ben ça te donne déjà plus 2 automatiquement dans la compétence quoi. Donc c'est vraiment pas mal.
Toutes les quêtes qui sont là, c'est à rendre là-bas. Et donc du coup, bah, on va pouvoir aller... On va pouvoir aller chercher Tanis. Tu vas pouvoir avoir la petite cinématique de rencontre avec Tanis. Like a river. Poum, poum, poum. Dans la voiture. Hop, c'est parti. Encore des racks. Alors là, ça c'est les pires coffres au monde. Les coffres caustiques. Ça fait très mal pour la voiture. J'adore, c'est... Je vois la minimap, plein de trucs qui nous suit. Et je vois plus 21 XP, plus 28. Bon après, là, la zone, on a carrément 4 levels de plus que la zone. Je te le dis. Revoilà nos copains les Inéroptères. Et il faut qu'on monte par ici. Hop. Attends, j'ai un point à placer. Attends, avance, parce que sinon on va se faire taper par les ennemis. Tu vas te faire taper. Là au moins c'est bon, là au moins tu vas pas te faire taper. Ok. Alors un point placé. Voilà. C'est bon. Alors tac. C'est parti. Donc ici c'est un site de fouilles Eridien, comme tu peux le voir. Tu vois, genre, t'as plein de logos de l'arche, logo Eridien. Ici, c'est les statues. Oh, mais le logo de Borderlands, c'est une arche. Ben pardon, oui. Je débarque. Ben oui, c'est le logo de l'arche Eridienne, en fait. Et c'est une arche. Oh, il y a des monstres. Ah oui. C'est pour ça que, en fait, la quête de Borderlands, c'est trouver les arches. Alors, de mémoire, on peut les stun par moment, les hyménoptérions, là. Les gens pas de travail, ils vont pas se faire. Tu vois, genre, quand tu tires, en fait, dans leur tête, tu peux les stun. Et du coup, ils sont un peu groggy, et ils bougent un peu, genre... En mode j'avance, je recule, etc. Alors, tac. Donc, nous allons rencontrer Patricia Tanis. Donc, je te laisse passer devant. La vache, le dégât qu'elle fait sans guide. Il vient de rester. Ah, la vache. Ah bon. Tu vas pas être content d'en pouvoir lancer. Pourquoi? Je te dis pas, mais tu vas pas être content. Ah vas-y. Donc, tu vois, apparemment, elle se fait attaquer par des racks. Parce que je vois qu'il y a un rack. Voilà. Les racks, c'est simple, il suffit juste de tirer à côté d'eux. Et là, je pense qu'on reste comme ça, on reste là, hein, puis des fourrages. Jake, John, fais gaffe. Jake, il s'embête pas. Il est tué au fil à peu.
Il y a des missions partout. Tant mieux. Mais tu dis comment ces espèces d'oiseaux reptiliens puissent avoir de l'argent sur eux. Ah, bah je viens de trouver une statuette de... une statuette dedans. Alors, si tu viens ici, on va faire du parcours. Alors, c'est pas là qu'il faut monter. C'est legit de faire ça, en vrai. Oui. Alors, il faut faire du parcours, parce qu'il y a un coffre. Allez. Bah tiens, il y a des règles là-bas. Encore un peu d'XP. Toujours plus. J'adore quoi. Alors, il faut. Tu te mets là, tu te mets dans le petit coin là. Et tu sprints et tu cours. Mais c'est servi. En fait non, ça sert à rien. T'embête pas. Par ici. Là, on saute. Là. On saute là. On saute. On avance. On saute. Tu arrives. Ou sinon, tu peux faire le tour. Et là, on saute et on va faire le gros coffre. Alors, qu'est-ce qui nous donne le gros coffre? Un shotgun corrosif. Et un truc de classe pour moi. Ouais, je te laisse prendre le shotgun corrosif. Et moi c'est... Alors, Patricia Tanis, je te laisse passer devant. Là, on peut aller sur la terre. De mémoire, il y a une cinématique, je crois. Lac River. Hop. Il n'y a pas de cinématique. Donc, c'est, tu vois, elle est là, Patricia Tanis. Juste en face de nous. Bienvenue dans mon. Ah, bah non, il n'y a pas de cinématique. Que vas-y. Pour retrouver quelqu'un. Retrouver Earl le dingue. Ah, oui, je me souviens de lui. Earl le dingue, c'est quelqu'un qu'on verra souvent dans les Borderlands. Enfin, dans tous les Borderlands. Et en fait, c'est dans le 2, dans pré-séquel. En fait, tout ce qui est après l'épisode 1, c'est celui qui va nous vendre des items avec de l'iridium. Qui est un peu la monnaie. C'est un peu une monnaie spéciale rare du jeu, en fait. Et c'est lui, dans Borderlands 2, en fait, il va nous. Il va nous vendre, donc avec de l'iridium, soit des améliorations de munitions, de sacs, etc. Comme on a maintenant. Ou sinon, il peut nous vendre des armes. Ça, c'est plutôt dans pré-séquel où il nous vend des armes, des boucliers. Mais sinon, dans le 2, c'est plus des améliorations d'armes, je crois. Enfin, de munitions, des améliorations de sacs, il y a aussi des armes un peu. Et en fait, c'est des armes un peu plus fortes que celles qu'on trouve d'habitude, en fait. Mais c'est Earl le dingue qui est... Hop, voilà. C'est beaucoup plus rapide. Pourquoi t'as sauté? Parce que j'ai cassé la voiture. Vas-y, tu peux venir me sauver. Ah bah non. Viens chercher la nouvelle voiture, parce que la voiture... En fait, c'est un monstre corrosif, et quand tu les tues, ils explosent. Et ça fait... Comme c'est corrosif, ça fait énormément de dégâts... Ça fait énormément de dégâts au... Aux véhicules et aux armures. Que nous verrons plutôt ça dans Borderlands 2. On va se battre contre des robots. Hey, arrange ta bagnole. Je prends le véhicule. Après, si tu veux, tu peux prendre aussi ton propre véhicule, je crois. Non, mais je trouve qu'on est bien.
Alors, donc, nous devons aller au chemin dégagé. Hop. En fait, on retourne où on était tout à l'heure. Faut pas rester devant, monsieur. Ça passe. Ça, c'est moi et ma mère vendredi sur Autopia. Pardon? Ah vrai. Oui, ok. On s'est dit, j'étais à Disney et Autopia. Dans les montées, c'est compliqué. Hein. C'est des moteurs de des gros moteurs de tondeuse. Donc, c'est un peu compliqué dans les montées, surtout quand vous avez une personne. Qui fait plus de 100 kilos. Dans la voiture. C'est quoi la traction? C'est Autopia. En fait, c'est un. Du côté Disney Studio? Disney. Fantasyland. Ah non. Donc le normal, côté princesse. Et c'est. Non, donc qu'est-ce que je dis, c'est pas côté princesse, c'est côté Discoveryland, donc Star Tour, etc. Oula, il y a un gros brutal. Moi je vais mettre une grenade. Et je mets. Ah oui, 1500 d'XP quand même. C'est pas mal. Là, il y en a encore deux activés. En plein dans le mille. Et du coup, on va aller parler à Earl le dingue. Hop. Et du coup, ben, on va changer de zone. Crazy Earl Scrapyard. Donc la décharge de Earl le dingue. Like River. Goulet tatoum. Alors. Donc là, normalement, on est bon. On peut faire un voyage rapide, si tu veux, pour rendre les quêtes. Bah, si on a un truc à faire ici, autant le faire, non? Ouais, vas-y, on peut pas. On peut continuer, mais ça va peut-être nous débloquer d'autres quêtes. Bah, c'est toi le lead, de toute façon. Attends, la zone, elle est grande ou pas? Je sais plus. Ouais, on va aller rendre nos quêtes, je pense. Oula, qu'est-ce que c'est? Ah, un Skag. Vaut mieux qu'on aille rendre nos quêtes. Je pense que c'est mieux. New Haven. Hop. Comme ça, on va pouvoir rendre nos quêtes. Il a explosé sur mon écran au moment du chargement. Ah. Oh, ça va, ça a pas fait bugger. Du coup, là, on va pouvoir rendre toutes nos quêtes. Ça, je pense que ça va nous faire gagner un niveau. Ah, il te donne une arme. Donc, bon, n'oublie salut, pas. Alors, je sais pas si ça te l'a rendu aussi pour toi les quêtes. Normalement, oui. Oui, je pense. Et du coup, n'oublie pas que t'as des nouveaux items dans ton inventaire. Alors, le tableau des primes. Donc, on a une nouvelle mitraillette qui est pourrie et les journaux qui servent à rien. Ensuite, là, il faut aller rendre à Marcus. Là, détruire toutes les caches d'armes. On va pouvoir vendre pour eux. Alors, le sniper pour moi, c'est combien? 257. Et mon fusil à pompe, est-ce qu'il est mieux? Elle est en panne, même aussi? Ouais. Ouais, tiens, ouais. Ah, mais c'est normal, c'est parce que c'est la machine de vie. Et comme c'est Dr. Z, il faut aller dans. Il faut aller à l'endroit de Dr. Z en fait. Ouais. Ben, en fait, on a débloqué qu'une seule quête.
où il faut aller détruire des stocks d'armes. Donc du coup on peut continuer la quête principale. Ça on avance un peu quand même parce que... Hop, et je vais au... Oh tiens, un coffre. On peut aller se re-TP. Des balles. J'ai des balles partout. On va aller au TP. Tu vois le Dr Z, il est là. Pas ouf. Et du coup, on peut aller se TP. Et on va retourner à Crazy Earl Scrapyard. La grave. Crazy Earl Scrapyard, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais comme j'ai lancé le voyage, ça l'a annulé quand tu l'as lancé. Normalement, c'est, en gros, je traduis ça par la décharge de Crazy Earl. Alors là. Ouais. Alors, du coup, avant ça, on doit aller voir Crazy Earl. Mais on a des skags à tuer. Ah, un petit skag bébé. Oh. Ah, bah notre skag. Alors lui attention parce qu'il fait mal au bouclier. Hop. Alors, est-ce qu'il y a encore un brutal qui va arriver? On sait jamais. Non. Non. Faut reculer. Et là, il faut tirer sur les modos. Et du coup, on peut passer et on voit. Parler à Crazy Earl. Donc vas-y, je te laisse lui parler. Ils ont fait un travail de dingue sur le modèle. Hein. Il y a deux quêtes. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Ah, il ne montre pas. Non, il est derrière la porte. Bah, tu, bah ouais, parce qu'en fait, tu vois en haut à droite quand il parle. Ouais. Bah, Earl le dingue, en fait, dans tous les jeux Borderlands, il est juste modélisé sa tête et sa main. C'est tout. D'accord. Parce que en fait, on le voit toujours derrière une porte. Tu le vois quand tu te rapproches, tu vois là, tu vois sa tête. Ouais. Mais en fait, il y a pas de corps, il y a juste sa tête, c'est tout. C'est pour ça que je dis, ils se sont appliqués sur la modélisation de celui-là parce que bah il y a rien en fait, il y a que dalle. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Donc là, il faut tuer 3 hyméroptères qu'on a fait et il faut tuer des bandits. Parce que dans la quête, c'est quoi? Quelque chose à me demander, bah, tu sais ce qu'on dit, on n'a rien sans rien. Tu m'aides, je t'aide. J'ai des intrus qui squattent ma propriété. Ils veulent tous mon trésor. Tu vas exterminer ces cafiers, ensuite je t'écouterai. Et sinon, on a débloqué une autre quête. Qui sera au même passage. Ah, tiens. Par ici, retourne en arrière. Si on voit tout en haut, il y a un claptrap. D'accord. Il y a un claptrap. Comme ça, on peut. Oula. Ça craint. Que t'as fait? T'as détruit des tonneaux ou... Ah non. Ah bah vas-y, bon, puis on continue. Hein. Vas-y. Debout, soldat. Alors, accroupis-toi. Et puis, hop, on attend. Voilà. On peut y aller. Mais c'est Sanguine qui vole. Ah oui, c'est ça. Sanguine. Oui, c'est Sanguine. Ça, je me dis, mais c'est bien, je peux pas viser. Bien, ça remet sur pied. Hop. Donc, on va tuer tous les bandits et après, on fera. Oh là, oh, c'est bien. Génial. Hop. Alors attention, il y a des tonneaux. Il y a beaucoup de tonneaux. Attention, il y a du parcours. Oh, attends, c'est pas fait. Il y a du parcours à faire.
C'est pas que t'as activé tout le monde. C'est super. Alors, le parcours. Géronimo, c'est parti. Oui, va. Ça va être utile. Oh, punaise. Je sais pas si c'est pas bon. Regarde, là. Tu prends les tuyaux, ensuite tu fais ça. Par contre, il y a des skags en bas, et on doit aller en bas. J'arrive. Ah, c'est pas grave, il fallait aller en bas. Par contre, ouais, il faut venir ici parce que ici t'as le point de sauvegarde. Si jamais on meurt, autant qu'on se mette ici. Pourri. De toute façon, je pense qu'on va. Ah ouais, si jamais tu vois les tonneaux, tire dessus. Hein. Ça fait des succès. Et ça fait plus de dégâts. Allez, vise. Alors, les skag, quand ils crient, il faut leur viser dans la tête, comme ça fait des coups critiques. Là, on peut pas passer. Eh ben, on peut pas passer par là. Là, si on va dedans. Pas de dégâts, ça fait rien. Ah, il faut faire tout le tour. On va passer par là. Un skag. Hop. Et comme ça, après, on pourrait libérer le claptrap. Ça, on aura une amélioration de. D'inventaire, chercher une voie. Ah, la banane est un peu loin. Ah bah, niveau supérieur. Alors, caisse de munitions augmente la vitesse des rechargements, augmente les dégâts de la tourelle scorpion, augmente les dégâts des balles avec tous les types d'armes. Ou sinon, j'augmente la résistance. Augmente la santé max. Je vais augmenter les dégâts de toutes les armes. N'oublie pas que tu peux lancer des grenades. Hein. Oui, oui. Comme les gars. Ils sont au-dessus. Les gars, il a l'air d'avoir beaucoup de monde là. Ah ouais, mais ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus, ça va. Ben là, il faut sauter, hein, il faut monter. C'est les phrases quoi. Allez, viens voir ton vrai père. C'est horrible. Cible touchée. C'est bon, on va les faire les 25. Les 25 bandits là. C'est bon, on est large. On est large. Hop, des soupçons. Attends, il y a encore des bandits qui arrivent. Plus que 5. Plus que. 3. Les gars, je vais me voir. Ah, bonjour. Alors, ça va être grenade. Ça va être compétence. Et il y en a un en haut en plus. Oula. Elle. Ah, c'est toi, c'est bon. Ouais, j'essaie de te raise. Merci. Parce qu'il y en a un qui est là-haut. J'appuie sur eux. Il y en a deux là-haut. Ah, oh, là-haut, d'accord. Mmh. Ah,
Bah, je pense qu'il y a que toi qui va pouvoir les viser. Hein. Ok. Bougez pas, messieurs. Oh, j'ai dit de pas bouger. Wow, 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 la grenade. Bon, attends, faut qu'on avance parce que sinon. Voilà, ça c'est fait. Oula, il y a une grenade, attention. Grenade, attention les jeunes. Je suis comme un caca moi. Voilà. On se met là du coin, de toute façon j'ai mes gardes. Recule, recule, recule. Bouge pas. Vraiment, je trouve mes grenades bleues, j'arrive pas à les gérer. Tes grenades bleues, c'est là où tu vises en fait. Attention, ça va péter. T'as bugué? Non, j'ai pas. Ouais, t'as une cadence de tir à un moment. J'ai arrêté de cibler. En vrai, là, bah, on a fini. Il y a pas beaucoup de monde. On peut partir si tu veux. Ah non, il faut faire péter le C4. Bon, là, il faut qu'on monte. C'est une quête. Aïe. En plus, ils font trop mal. Qui m'a tiré dessus? J'ai tiré derrière? Ouais, sur la gauche. Mmh. Ah, vas-y. Non, mais... C'est en bas. Ouais, faut venir lui par contre. Faut venir mule. Je vais mourir. Non. T'es où? Je suis mort. Comment on grimpe? Là, je suis mort. Oh oh. Tu m'as abandonné! Je suis tombé. Et je dois faire tout le tour. T'inquiète, j'arrive. Y'en a un derrière, y'en a en bas. Là, et du coup, là, on doit faire tout le tour. Y'en a encore un derrière. À gauche. J'ai essayé de le tuer au lance-roquette, mais il est pas précis. Là apparemment on va faire péter un truc. En gros on a dû récupérer du C4 et on va te faire placer le C4. Alors ne bouge pas. Voilà, t'es pas bougé. En un tir? Wow. Deux tirs, non j'ai tiré, j'ai fait deux fois. En fait c'est un double coup. Alors là par contre, il y en a encore. Ah tiens, quand on s'agenouille, apparemment on a... Alors, on a un peu plus de... Oula, il y en a un qui t'est arrivé à lance-roquette, c'est pas possible. En plein dans les... Je crois que le détrousseur brutal là-bas, il tire avec un lance-roquette, c'est pas possible. C'est comme si j'avais mon espoir. On arrose et on les crève. Ah oui, d'accord, t'y vas à fond. Jake, le défourailleur. J'arrive pas à viser, je me rapproche. Arrête de bouger! Arrête de bouger, je peux pas te viser! Voilà. A chaque fois que je veux te tirer dessus pour te hit, tu bouges au même moment. C'est pas possible. C'est là qu'on doit faire péter. Attends, viens. Regarde. Ouais, il y a un coffre. J'essaie de regarder où est-ce qu'il est le trou du coffre. Du coup, normalement, c'est pour ça que je voulais aller là-haut en fait. Si tu viens, on fait ça, on passe par là.
Mon PIA, est-ce qu'on peut aller dedans? Comment on l'ouvre? Faut peut-être péter le... Ah si, faut faire. C'est pour la quête, regarde. Normalement. En fait, on va faire péter le truc de gaz. Et du coup, hop! Magie! Oh, double quoi. Alors... C'est un peu Noël? Oh! Oh, le snipe, il me veut bien. Les pistolets. C'est génial! Oh, il veut bien lui. Pas beaucoup de vitesse, mais bon. Et du coup... On peut aller voir Earl le dingue, et après... On peut aller voir notre ami Claptrap pour augmenter notre inventaire. Et du coup, on doit tout remonter. Donc il faut passer par là. J'espère que je ferai un peu plus de dégâts avec mon gun. Je vais quand même la garder, la mitraillette. Je vais la verrouiller. Elle est où? Non, toi par contre, oui, je te verrouille. Et toi, je vais te verrouiller aussi. Hop! Ça en est bon. En fait, depuis tout à l'heure. Voilà, ça devrait être un peu mieux comme ça. Alors, parlons à Earl le dingue. Il va sûrement nous donner une quête, peut-être vers le claptrap. Donc. Qu'est-ce que tu veux ? Leçon du jour, danger explosif, un mode de grenade, et la quête principale. Ah, t'as tué des intrus, je veux qu'un intrus. Combattre le feu par le feu, récupérer des bouteilles d'alcool sur les bandits à Tricheur Landings. Et Tricheur Landings, c'est pas par là. C'est en arrière. Du coup, bon, on peut aller faire la quête du claptrap. Et il va y avoir sûrement plein de mecs. On va mourir plein de fois. Alors. Petit claptrap. Où es-tu? Aïe. Oui, tu fais mal quand même là. C'est un peu Noël. Ça pique. Et ben moi je suis plein. Il te reste combien d'espace dans ton inventaire? 9. Il est en train de défourailler dans le vent, l'autre. Aïe. Oh punaise, c'est le grand. Oui. Ah mais j'ai deux balles. C'est vrai, j'ai plus... Ouais, donc c'est pas worse. C'est pas worse. Je vais garder mon SMG. Du coup, il a enlevé mon point de la carte, le méchant. Il est là-bas, le claptrap.
Oula. Compte pour le concours, celui-là. Est-ce qu'il y a un concours ? Cible touchée. Hop. Joli. Alors, le claptrap, il est là. Claptrap, non. Le kit de réparation, il est là-haut. Et bien sûr, il faut faire tout le tour. Parce que sinon, c'est pas marrant. J'aurais dû les vendre les items. Hop. Oh tiens. Une route. Qu'est-ce que je lui disais ? Il y avait quelque chose dans le camion ? Non. Moi je crois qu'il n'y avait rien. Ah je sais que tu fais mal. Dans le mille. Cible touchée. Mais j'arrive pas à voir ce qu'il y a. Vas-y, vise son point faible. Derrière, attention, il y a une guerre. Ouais, t'inquiète pas. Allez, on va sortir la tourelle. Une autre encoche sur mon arme. 50 ou quoi ? Hop ! Bon, il se donne quasi plus rien d'XP, hein, c'est monstre. C'est pas moi qui dois normalement le contact. Je m'y attendais pas. Normalement, toi, c'est rôle le sniper. Je fais mon rôle. Hein. Juste j'ai, pour mieux viser, je m'approche. Bah, elle est où ma nouvelle électrique là ? Comment il crie à chaque fois. Là. Oh mon dieu, mais. J'ai vu, j'ai entendu une roquette passer à côté. Oui, c'est pas moi. Aïe. Oui, j'ai cherché sur moi, franchement, ça m'a tué. Genre, je cours. Puis j'entends. J'entends. Non, c'était le mini boss là. Tu peux prendre les deux trucs. Hein. Soldat, c'est toi ? Ouais, non, mais prends-le, j'ai plus de place sur ça. Je suis plein aussi, ça y est. Ah bah attends, reste à côté. Va dans ton inventaire et utilise ton amélioration de d'optimisation. Et où ? Tu vas dans ton inventaire. Oui. Tu vas tout en bas, tu vas avoir le kit d'optimisation de stockage. Ok, c'est bon. Et là, tu vas gagner 4 places et du coup, tu peux prendre les armes. Il me reste une place. Et ben, allons vendre tout ça. Faut que je redescende ? Ouais, tu peux redescendre. On va retourner. Ah oui, il y a Claptrap. On va retourner voir Earl. Enfin, les machines à vendre à côté de Earl. Pourquoi il y a un point ici ? C'est moi qui ai mis un point. Hop. Je vais l'enlever. Là, il faut aller sur le point principal.
en bas. À droite. Enfin, du coup, en haut à gauche sur la map. Ah tiens, il y a des skeks qui vont respawn. Ah tiens, il y a un skek corrosif brutal. Mais il fait zéro dégâts ou... Oula, il y a un skek électrique brutal. T'es cher. Très bon contre les armures. Je te laisse le prendre du coup. Je te laisse le prendre. Il va être pas mal pour toi. Bon, ça, moi, il est moins bon. Hein. Moi, je veux juste vendre des armes parce que j'ai plus de place. On va gagner max de sous-sous. Les milliards. Alors, t'inquiète. Il est joli. La trousse de soins, je peux la vendre. Allez, une boutique, j'arrive. Ouais. Oh, attends, d'abord, avant ça. Vendre tout. Tout vendre, tout. Hop. Et du coup, tu me dis quand on peut y aller. Alors. Oula. J'ai beaucoup de choses à vendre. Vas-y, hein, t'embête pas. Hein. Encore ? Oh putain, oui. Alors, ça, c'est niveau 16. Et ça, c'est vieux truc. Ça. Tac, ça on remplace. Tac. Tac. Et... Ça, ça soldat, c'est toi, on a dit. Ouais, soldat, c'est moi. Mais le module de classe, tu le veux pas ? Non, bah le mien il est pas mal. Mon module de classe actuel, j'ai plus de rechargement, plus de vitesse de rechargement de bouclier et deux améliorations des compétences que j'ai en fait. Donc je le vends. Tu peux le vendre. Ah, 58. Est-ce que je suis bon ou pas? Donc maintenant la boutique. Vendre Camelot, c'est Supre. Ouais, Supre. Ok. Alors, maintenant je reviens ici. Tac. Voilà. Alors, ça c'est quoi? Module de classe chasseur. Non, j'ai mieux, je crois. Non, trop tard. Ah. La santé, je m'en fiche. Le bouclier. J'ai... Oh, le beau bouclier. 449. Et moi, j'ai quoi? Il est mieux que le mien. Hein. Attends, par contre, j'ai un module de classe. Ça, c'est nul. Tac. Faut que je l'achète, ce bouclier-là. Voilà. Niveau 19, ça je m'en fiche. Ensuite, le bouclier, je le remplace. Ça et sa poubelle, je reviens sur la boîte. Je suis un peu long, désolé. Si, prends ton temps, t'inquiète pas, y a pas de soucis.
Y a pas de problème. Ouais, donc là j'ai un beau bouclier maintenant. Et ensuite les petites munitions parce que je suis vite en cours moi. Ok. Normalement, je suis bon. Et ben c'est parti. Faut aller en face. Ouais, il faut qu'on change de zone. Parce que là, on va devoir aller chercher des bouteilles de Njol. Des bouteilles de Njol pour Earl, pour qu'il puisse nous donner l'item qu'on veut. Et les bouteilles de Njol, c'est encore une autre zone. Dans le mille. Donc on peut... Tour, hop, on peut les laisser, on est pas obligé de. Un coup d'anthologie. Il faut aller là-bas. Parce que vu qu'il donne quasiment pas d'XP, autant qu'on rush la quête principale. Tout le monde croit que le commerce c'est facile. Ah tiens, il y a plein d'acheteurs à qui vendre et tout. Mais c'est pas facile de faire un vendeur. Vous, par exemple, vous seriez catastrophique. La preuve, vous négociez jamais les prix. Si vous trouvez cette arche, il vous faudra un partenaire pour revendre ce qu'il y a dedans. Un partenaire comme moi. Oulala. Oulala, oulala, oulala. Il est où le mec qui lance des lance-roquettes là? Je sais pas. Ah, il est là. On peut monter. Du coup, il faut aller en bas. On prend vachement beaucoup de dégâts avec le bouclier. Et... je trouve qu'ils sont pas trop utiles. Mais oh! Mais c'est quoi ces mecs? Help, Jake. Oui, help aussi. Au secours! Tu vois. Mais tu te bats contre. T'es pas obligé de les tuer, hein? Ah bon? Bah non, je t'ai dit, fallait qu'on rush. Juste de devant nous, en fait. Parce qu'ils nous donnent pas beaucoup d'XP, donc ça sert à rien de les tuer. Tu vois, ils nous donnent 12 d'XP. J'arrive! Je me dépêche. J'aurais dû prendre une voiture. Non, t'inquiète pas, j'arrive. Non, tu peux les... N'oublie pas de les utiliser, hein, les flacons. Tu peux les utiliser, ça va te régénérer la vie. J'arrive. Ah, mais d'accord, tu te bats contre un roi. Un quoi? Un roi héménoptère. En plein dans le mille. C'est un des plus forts. Les héménoptères, c'est. Tu vois, c'est. C'est un peu comme les fourmis. D'accord. T'as roi, reine. Enfin, là, dans les fourmis, t'as pas de roi, mais. Ok, non mais je vois l'idée.
Cible touchée. Ah, les briseurs. Pourri. Il y en a encore un qui se cache, je crois, là. Il y a des corps. Ah, oui. Il n'y a pas un coffre, là. Ici, il y a un coffre avec des armes, ici. Alors, un fusil à pompe pas ouf, et un SMG. Alors, Treacher Landing. Je me souviens même pas du tout de cette zone. Alors, elle ressemble à quoi la zone déjà? Elle est quand même pas mal, hein. Alors, il faut tuer des mobs. Pour récupérer, enfin, il faut tuer les bandits pour récupérer des bouteilles de noix. Et vendre nos armes, parce que là, s'il te met un magasin au début, c'est qu'il va avoir pas mal de monde. Mmh. Les munitions. Hop. On n'a pas besoin, docteur. On peut utiliser une cible machine avec plein d'aiguilles qui font peur. Pas besoin. Arrêtez pas de tirer. Un coup dans voilà. Le nez. J'ai pas arrêté de tirer. Une bouteille de gueule. Ah d'accord, c'est sur eux. Ouais, c'est... C'est bouteille de gueule des bandits. C'est pour ça qu'il faut tuer au moins 24 bandits. Bien évidemment, ils récupèrent pas automatiquement les... qui est tombé. Ah, là. Un petit SMG. Je mets ma tourelle qui en plus au moins se régène un peu. On est déjà à 14 gnolls. Ouais. Hop, c'est parti. Ou la musique. On se voit. Quoi ? Pas plus ? J'ai entendu un bruit qui me plaisait pas. Alors soit c'est un tonneau qui a pété, soit c'est un mec avec un lance-roquette. Moi aussi j'aurais peur à ta place. La vache, ils font trop mal. C'est un peu Noël ? Avec plus que deux gnolls et c'est bon. Ah bah ouais, là où t'es, je pense que... Ah bah j'en ai un là. Ah bah c'est bon. Alors soit on continue la zone, soit on fait demi-tour. Il y a encore des quêtes ici ? Non. Au moment où... Il y en a sur... Il y en aura sur moi après. Ça fait du bien. Non, y a rien du tout. Donc, je pense qu'on peut partir.
ça. Oui, une canne à pêche. C'est moi ou on est... Qu'est-ce qu'il y a? Que ça sera pour un objet de quête. D'accord. Je sais, ça brille en vert. Normalement, quand c'est en vert, c'est que c'est un objet de quête. Est-ce qu'on peut le casser ou autre? Quand même, balèze, hein, la baleine. Like a river, like a river. Donc là, on n'a même pas besoin de repasser par la zone, on a juste à se TP directement. Ah! Ouh! Ça va? Je me suis tapé le quad du coude dans le meuble. Ah, c'est mal. Ah, je souffre. Je t'ai peut-être pas tout dit. Cette carte de l'arche. Je dois arrêter ce truc. Respire. Respire. C'est pile dans le coin en plus de mon bureau. C'est mal. J'ai bobo. Demain, je vais avoir un bleu. Voilà. Je vais devoir me mettre en arrêt, maladie. oui, tiens, Jack, mets-toi là. Mets-toi là et bouge plus. Non. Bon. Qu'est-ce que tu veux? Alors, merci pour l'agneau et ce et le machin truc extraterrestre. Alors, récupérer des boîtes de pâté pour Scab, donc Chrome's Canyon, et les apporter à Earl. Et le prochain fragment, il faut aller tuer un boss. Bah, génial. Il faut aller tuer Chrome. C'est parti. Et il faut qu'on lui, on lui ramène de la pâté pour qu'il mange. De la pâté pour Skag. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de Skag, donc soit c'est pour appâter les Skag et nous demande de les tuer, soit c'est pour qu'il mange la manche, donc... Ouais, je pense que je sais pourquoi il s'appelle Earl le dingue. Bah on n'a pas raison, on n'a pas encore... visiter cette zone, donc on va pouvoir y aller. Je suis sûr que c'est la même zone, mais à gauche. On était. Alors, c'est parti. Je pense qu'on va pouvoir tuer le boss, et puis... parce que là, c'est... Ouais, tuer le... En fait, on va tuer le boss, et on va devoir récupérer la prochaine partie de la clé de l'arche. Et elle se trouve en... Salutations, Elena Pierce a de nouvelles missions pour vous. Oui. Bonjour. On ira après. Là, il faut qu'on... Je pense que le mieux, c'est qu'on court. On court? Ouais, je pense que c'est bien. Si on n'a pas fini. On n'a pas fini, il donne que tu as 2 d'XP. Cours, je pense. Je mets ma tourelle, elle va tirer dessus. Elle autolock. Arrange la bagnole. Waouh, ça en fait un autre qui mord la poussière. C'est plus rapide avec l'autolock. Alors, par ici. Ah, il faut détruire les caisses. Oula, sors de la voiture, sors de la voiture, sors de la voiture, sors de la voiture. Ouais, ça c'est
Il y avait des caisses ici. Oui, oui, c'est l'endroit où il y a les caisses. Donc il faut détruire les caisses. C'est bon. Voilà, on va détruire plus dur. Belle. Hop, je recharge et il faut détruire les autres caisses. Alors elles sont où? Ah bah elles sont là. Là, il y en a déjà deux. Ah bah tiens, il y avait... Regardez-moi ça. Et les trois... Les deux autres, elles sont deux autres, deux autres. Ouais. Il en reste que deux. Elles sont là. Mon fauteuil, fais ce bruit. C'est... ouais, c'est mon fauteuil, ouais. C'est Queen un peu. Donc cette quête-là, c'est bon. Et bah du coup, on va continuer avec... tuer Chrome. Donc il faut... Pardon, il faut aller au nord. Hop, non. Voilà, attention, il y a des bébêtes. Hein. Dans le mille. Quand tu les tapes dans le point faible, ça passe. Ouais. Et tu remarqueras que les inéroptères rennes, on voit leur point faible plus facilement que les autres. J'ai pas fait gaffe, j'avoue. Ah, je sais que j'ai mal. Voilà, hop. Verti, Mankiki. Et pourquoi j'ai que 200? Normalement c'est 400 mon bouclier, qu'est-ce que c'est ce bordel? Capacité 400. Oui d'accord, il met longtemps pour se recharger. Attention. Oh non non, t'embête pas, viens on continue. Sinon on n'a pas fini. Là on a déjà... Si on veut tuer le boss, on doit faire toute une zone je pense, une grosse zone. Donc t'embête pas. J'ai juste récupéré la voiture. Comme ça, après, on peut aller à New Haven. Et on va pouvoir prendre plein d'autres quêtes. Eh, hey, sois pas timide! L'autolock, location voilà. D'auto, quoi! Hop. Au moins. On est sauvegardé là. Il y a des... C'est des hélicoptères. Hey, on y va. Je suis motorisé. Voilà. Ça fait un peu mieux de dégâts que la mitrailleuse. Hein. Du coup, je te laisse le TP dans la voiture. Comment je fais? Tu vas sur le truc de l'autolock, tu fais déporter au siège mitrailleur. Enfin, siège passager, pardon. C'est bon ou pas? Oui. Et du coup, normalement, si c'est bien fait, on va pop avec la voiture. Oula, déjà. On va devoir déjà baisser le pont, je le sens gros comme une maison. Prends-en, je prends le chargement. Alors... Eh ben c'est parti. Ah c'est bon, je suis là. C'était pas... On n'était pas déjà allé dans cette zone? Ah non. Tu veux que je te refasse la gueule?
Félicitations. Et les navires, ça a de nouvelles missions pour vous. Mais on s'éclatera. Alors, je vais juste aller là, comme ça, je vais débloquer le truc. Attends. Ah oui, voilà. Carrément. Comme ah ça, d'accord, ok. Comme ça, on est sauvegardé. Et normalement, on a débloqué la station. Ah, non, bah non, on n'a pas débloqué la station. Il faut qu'on aille. Du coup, il faut qu'on descende. Parce que là, on va débloquer la station de téléportation. Comme ça, pour le prochain stream. Hop, il faut aller dedans. Voilà. Middle of nowhere. Donc le milieu de nulle part. Ouais, milieu de nulle part. Comme ça au moins pour le prochain stream, on sera pas obligé de refaire toute la zone. J'ai eu plein de coffres. Hop! Je suis encore comme une maison qu'on devra baisser le pont. Hein. Voilà, l'énorme pont il est pas baissé. C'est le seul moyen de passer, je suis sûr. Ah non. Donc là, c'est à pied. C'est ici que les bagnoles vivent. Chope-t'en une. D'accord. Alors, on va continuer tout droit. Oula. Ça, j'aime pas ça. Wow. Oui. Wow. C'est pour ça que je dis j'aime pas. Parce qu'il y a une tourelle lance-roquette. Mais tu veux faire. Comment on fait? Bah il faut qu'on se cache. Tu veux venir me raise s'il te plaît? Je veux bien mais. Viens, je te. Bon, abandonne. Il faut qu'on court à mort. Non, c'est direct à gauche, derrière le rocher, on peut en éliminer une tourelle déjà. Ah, bouge, n'abandonne pas. Non, j'arrive. Non, c'est mort. Non, faut qu'on rush. En fait, faut strafe et faut rush. Il faut éviter les roquettes en fait. C'est bon, une de détruite. Allez. T'inquiète, je te heal. Il faut qu'on court. On se cache. Tu sais qu'il tire, je vois même pas les ennemis. Elle est devant la tourelle. Elle est tout au fond. Tourelle MK2. Attends, je contourne. Oh punaise, c'est bon, je la vois. Ah oui, mince, il y en a d'autres, des ennemis. Non, j'ai cru aussi, moi. J'ai un point de vie. Je suis mort. Tu peux pas tuer le détrousseur? Non, je suis mort. J'ai
J'essaye au moins de régénérer ma vie, mais ouais, ils font mal. Hein. Mais surtout, c'est qu'ils visent de super loin. Allez. On y va. Non, c'est bon. Ah, mais ils sont partout, en fait. Il y en a là-bas, il y en a là. C'est bon. J'ai essayé de faire la tourelle, hein. C'est bon, il n'y a plus de tourelle. Si, il y a encore une tourelle au fond. C'est bon. Et bien sûr, il faut que je... Voilà. T'as plus de tourelle. T'as plus de munitions. Ouais. Visez le tonneau, visez le tonneau. Ouais, non, il pète pas. Voilà. Ils sont où les méchants? Ah, ils sont là-bas. Ah, mais je suis comme un méchant garçon. Arrête de bouger. Arrête de bouger tout le monde. Voilà, dans ta tête. On peut aller récupérer leur stuff. Ah, il y a un brutal là-bas au fond en plus. Ouais, je le vois. C'est quoi? Super. Ah la vache, c'était toi ou moi? Ah la vache, ah, GG. Eh ben, ça a lagué, non? On est d'accord que ouais, tu pouvais pas les ouvrir non plus, hein? Ouais. Ah mais c'est quoi ça? Le mec a un lance-roquette. Cible touchée. Même pas, c'est un pistolet qui. Il y en a encore un. Bon bah du coup on peut changer de zone. On peut aller tuer Chrome. On s'arrêtera alors. Ah la vache, ils sont compliqués hein. Je suis bloqué. Voilà. Comme je sais pas, c'est pas par là. Tu fais bloquer aussi. Alors, où est-ce qu'on va? Chrome's Canyon. C'est parti. Ah bah, un succès. Oula! Attends, je suis encore en chargement. Ouais. Ouais. Elle est grande la zone, elle est grande, hein. Avec des choses en hauteur en plus.
Ouais, il y a pas mal. Et en plus, c'est soit tu vas à droite et on récupère le claptrap, soit on va au boss tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On fait le claptrap avant ou pas? Bah, ouais, je pense. Ok, vas-y, let's go. C'est parti. Je te suis de toute façon. Hein? Je te suis parce que j'ai pas la minimap. T'as pas la minimap? Non, comme d'hab au début, après une zone de chargement. J'ai pas la minimap. Ah oui, ouais, le temps que ça charge. Okay. Tu vois les ennemis quand même? Oui, oui. Un coup nickel. Là. Oui, c'est par là. Oh, y a pas un truc dans le bateau? Attends, y a plus... t'as raté plein de coffres. Enfin, des coffres de munitions. Mais... Ouais, bon. Ça va, j'en ai encore des munitions. Voilà, il y a une minute d'air. Bonjour, messieurs, dames. Pourquoi il y a une grosse musique? Parce qu'il y a des hyménoptères. Vas-y, tape dans son... Ah ouais, j'essaye. En plus, c'est un électrique, lui. Putain, parce qu'il y en a un autre là-bas dans le fond. Munitions de... une munition de snipe, une cartouche. Alors, une cartouche. Ah. Ouais. Ah, c'est bon. Nu un peu. Elle a complètement loupé. Ah, c'est toi qui le recule, d'accord. Ouais, c'est moi. J'utilise ma compétence. Ah, niveau supérieur. C'est parfait. Et le claptrap, il faut monter. Ah bah c'était là où il fallait récupérer du pâté pour Skag. Des pâtés, ouais. Ah, attends. Ah tiens, un nouveau succès. Ça a dû faire mal. Qu'est-ce qu'on a par là?
On a des poubelles. Ah bah tiens, des... des missions rifle. Est-ce que tu récupères des munitions là pour snipe? Pour le moment, non. C'est bizarre. Est-ce moi, il me dit que je peux pas les prendre, mais je récupère des munitions quand même. C'est bizarre. C'est ton shotgun machin. Shotgun. J'ai snipe qui a sac. Ah oui. Du coup. Alors je vais regarder, bah vu qu'on a la quête pour les trucs de Skag. Autant les récupérer. Alors j'adore, c'est qu'il me dit que ma tourelle peut te raise, mais quand je meurs, elle est... Là franchement, je suis désolé. Okay. Ça m'a raise et ça m'a fait glisser. Attends, il y en a un autre. Hop, on va améliorer ça. C'est un peu Noël ? Ah bah tiens, il y a un autre shotgun si tu veux. Le claptrap. Tu devrais en avoir récupéré des munitions pour Pour le snipe. Alors ouais, qu'est-ce que j'ai un bouclier. Alors le claptrap il est de l'autre côté et Earl à l'écro c'est pas. Récupérer toutes les boîtes de conserve. Un coup dans le mille. Ça va, c'est que des sadiques. Alors, si jamais pour les faire exploser tout de suite, les sadiques avec les grenades, il faut juste viser la grenade. D'accord. Les grenades. Yeah.
loupé et c'est là-bas. Dans le mille. Alors. C'est génial. Ah ben, j'ai pas vu qu'il était là. Non, ils sont trop nombreux, ils sont deux. Et ouais, et c'est pire, c'est quand tu fais tout seul, il va sûrement te dire la même chose. Là par contre, ça m'a l'air d'être un mini boss. Oula, 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 attention. Tourelle. Tourelle qui sert à rien du tout. C'est super. Ah oui, évidemment, plus tu meurs, plus le temps, je sais pas si tu l'avais dit, mais plus le temps de combat pour la mort descend. D'accord. Rapidement, en fait. J'ai besoin de docteur. Hop. Ils sont beaucoup. Vache, mais ils sont... Il veut pas que je te soigne, vas-y. Ah, je vais mourir. Levez-vous, soldats. Il me reste plus de chargeur plein. Je suis pas mal. Mais ça va, le mec il est derrière, je le vois même pas, il arrive à me tirer dessus. C'est quoi. Génial. Ça va, je continue tranquille. Non, en plus t'as passé le level 27. Ah bon ? Ah oui. Voilà. Ouf! Plus que deux, plus que une. Ah vache! Hop! On a trouvé tout la bouffe de Earl. Le claptrap, il faut remonter. Par là. Ah la vache! Déjà au moins ça va nous donner de l'amélioration d'inventaire encore. Alors il est où le kit. Des parcours encore et toujours. C'est... S'il m'a donné que de l'XP, je pète un câble. Ah non, ça va, il a donné le kit d'optimisation. Et du coup, on va pouvoir aller tuer le boss. Alors, tu peux sauter, hein, ça fait pas beaucoup de dégâts. Ça fait peur, mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Oh, en fait, on est... Merde, on aurait pas dû sauter. On aurait dû continuer. Voilà, on peut pas aller par là. Si, ah merde, on aurait dû aller tout à la droite tout à l'heure. J'ai vu un coffre de voiture, donc
Ça veut dire qu'il y a... Il y a sûrement, il y avait sûrement un gros coffre avec des armes. Alors on peut déjà aller faire nos emplettes pour aller faire le plein de munitions. Ouais. Et on fera le boss. Est-ce que j'ai un nouveau bouclier? Non, par contre. Mission. Ah, et on peut encore mettre. Tu peux encore acheter des améliorations encore plus puissantes pour les le stockage des armes. D'accord. Moi j'ai pu en acheter que deux. 60 000. Et ouais. Moi j'ai pu acheter que celui qui améliore le rifle et les grenades. Comme ça j'ai 7 grenades. Et lui là-bas, il faut traverser tout ça pour aller là-bas. Like a river. Où es-tu? J'avance okay, un petit peu. Je vois qu'il y a déjà pas mal d'ennemis devant. Un coup d'anthologie. Attention, il y a quelqu'un derrière. Oh, t'as trouvé un pistolet électrique? Non, j'ai tapé dans un tonneau. Ah, ok. Non, ça a dû faire mal. Bon, pour le moment, ça va. Je vais me prendre un gros karma, là. En plein voilà, dans parce que j'ai 10 ans pour essayer. Alors, il faut monter... Gauche. Par contre, j'aime pas trop, c'est que j'ai bien. On dirait qu'il y a. C'est bien, ils ont mis plein de tonneaux, donc c'est cool. On peut détruire un brutal, c'est bon, il y a un rocket corrosif. Ah ouais, non, c'est un snake corrosif. Et voilà, qui c'est qui s'est passé? Super. T'es tombé? Bah oui. Vois ça, tu peux reprendre le chemin. Non, c'est là, par ici. Non, t'es pas obligé. Bien que Borderlands dans le jeu de plateforme. Et encore dans Borderlands pré-séquel, la suite niveau leurre, t'as le. C'est encore beaucoup plus de la plateforme parce que t'es sur la lune. Donc qui dit sur la lune dit gravité. Gravité. Et t'as un principe avec la gravité, c'est le pilonnage. Donc en gros, c'est tu peux faire un double saut. Dans les zones donc avec où il y a de la gravité, où t'as pas la gravité artificielle. Et en fait tu fais un double saut et quand tu appuies sur. Tu maintiens le bouton accroupir, ça fait comme un méga pilonnage au sol et en fait tu peux avoir des. Comme tu es sur la ligne, tu es obligé d'avoir un genre de scaphandre. Ils appellent ça des kits d'oxygène. Et en fait chaque kit d'oxygène. Alors avance. Oula. Ah tiens, cinématique. Oh, le méchant. Waouh. Alors, il n'y a pas à dire, les boss, ils n'ont pas de charisme. Et du coup, ouais, donc dans Epis, t'avais des kits d'oxygène qui disaient, quand tu fais un méga pilonnage,
Tu fais une aura de givre. Donc en gros tout ce qui est autour de toi, quand tu fais ton pilonnage, devient de la glace. Parce que oui, dans Borderlands pré-séquel, ils ont rajouté des éléments qui sont la glace. Il y a la glace et un autre truc, je crois. Non, mais ma tourelle, elle est tombée. T'es où? Je suis mort. Non, c'est bon, je suis revenu. Je suis mort, puis j'ai revécu, puis je suis remort. Voilà. C'est devant. En fait, le boss, il nous tape depuis très loin, en fait. C'est pour ça qu'il faut rush comme les autres. T'es où? Ah, c'est bon, c'est bon, t'inquiète. Je suis derrière toi. Le boss, il est loin. Je suis sûr qu'il est pourri en plus. Oh, c'est bon, il s'est mitraillé avec le boss. Je sais pas. On l'entend même pas parler. Oh, les bugs. Oula, alors le bruiseur métal, on va aller loin, hein. Mais non, mais je suis mort aussi. Ouais. Ah mais ouais, mais c'est parce que c'est ça, parce qu'il tire avec une mitraillette. Ah, et d'accord, il renvoie nos trucs. On va recommencer toute la zone. Mais en gros, la tourelle, il faut pas tirer dessus, parce que si j'ai bien compris, ça renvoie les balles. La tourelle de chrome. Du coup, il faut strafe. Il faut courir. Courir vite. Bon, ça, on a déjà fait 2 étages sur 4. Allez, toi. On essaie de rester dans la zone de la tourelle comme ça. Alors, on tape autant qu'on s'enfonce. Ne t'entends pas, Michel. Avance. Oula. Non. Ok. Cache-toi. Tu vois rien. On est prêt. Allez, go. Ah, c'est bon, on l'entend. Sur le mauvais endroit. Check pour venir, Wayne. Il y a plusieurs façons de faire la bombe. Ah, je suis mort. Essaye de le tuer, Qui ça? Le boss, dans la tourelle. Non, je suis mort. Je pourrais pas venir te raid. Il est mort. Tu l'as tué? Oui. Oh la vache, GG.
Sur, j'ai pile poil sur la fin. Oui. Et en plus, on a fait un succès. Je vois rien. On a fait un petit succès en plus. Oh là là. Ah bah GG, franchement. Parce que j'ai si dit non, c'est mort, on va pas y réussir. Eh bah cool, oh la vache. Bosse à la... Tu as trouvé un autre fragment de la clé sans un KTE de Papa Chrome, mais ça fait quoi? Je te surveille à chaque instant. Sois prudent. Oui, c'est vrai qu'il y a l'ombre. Les autres voient une occasion de servir leurs propres intérêts. Oh. Super. Je m'y attendais pas. Vas-y. Oh, boy. Il fait moins de dégâts que moi. Que le mien. Bon, bah. Donc là, on a récupéré l'arche. Oh. Pas mal le petit flingue. Il fait pas beaucoup de dégâts, mais. Donc bah, voilà, on a fini le boss. Donc là, on peut faire tout le trajet demi-tour. Pour aller stepper à New Haven. Hop. C'est parti. Alors surtout ne tombe pas parce que sinon tu meurs. Alors j'ai testé le flingue parce qu'il m'a l'air pas mal. Hey, pardon. À tes souhaits. Les ennemis, on s'en occupe pas. Bon, après, ce qui est bien dans Borderlands 2, c'est que dès que tu finis un boss, en fait, ils te mettent une endroit, une zone. Soit tu changes de zone, soit t'as une zone de TP où tu vois, tu peux revenir facilement dans la zone où t'as un TP, une sauvegarde et tu peux aller vendre tes items, quoi. Et on a un item pour avoir ce nouvel claptrap ou pas? Bah oui, on l'a eu. Et on allait lui parler? Oui. Est-ce que... Oui, moi je l'ai activé, le mien. Donc on va aller vendre nos armes. On va à New Haven. Enfin, on peut aller rendre la... La quête de Earl là avec son pâté de crabe, là, je sais pas quoi. Ah, attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Le TP il est là-bas. Alors attends, les quêtes, c'est New Haven, Earl, et le prochain fragment c'est... Rust, comme ouais, c'est New Haven, et New Haven, ok. Oh, c'est donc New Haven, Tanis, et Earl. Tu me dis quand on est bon. Attends là, je suis un peu lent sur les items. Parce... Vas-y, vas-y, t'inquiète pas. Ah non, il est mieux lui en fait. Ça c'est quoi ça? Une petite mitrailleuse? Je vais mettre ça à la place de ça. Ça je l'enlève. 147. Tout ça, ça part à la poubelle. 66, 58. Je change les grenades. Ok. J'ai pas de points. Alors, la machine. Tu me dis quand c'est bon. SMG, c'est mon snipe? Non. SMG, c'est les mini mitraillettes. C'est bon. Donc,
on va aller rendre le pâté de Skag à Earl. Ensuite, il faut aller rendre la clé à Tanis. Et après, on va à New Haven. Et à New Haven, il y aura plein d'autres quêtes et tout le bordel. Et du coup, Earl, il est là-bas. Alors, est-ce que les mobs, ils ont respawn? Oui. Oh, pas mal le modèle. Ah bah j'ai fait un succès. 2,21 gigawatts. Qui sûrement va faire autant de dégâts électriques que possible. Mm. Alors le petit Earl. Qu'est-ce que tu veux ? Avec un éclair bestial dans le regard, Earl attrape les conserves, il en ouvre rapidement une, prend une cuillère et commence à manger. Il a complètement oublié votre présence. Donc c'est bien ça, Earl. Il bouffe de la pâté pour Skag. Alors, hop. Donc là, on peut aller là. Là, on va se re-TP, on avait débloqué la zone. Il y avait tous les coffres à côté. Voilà. Ici Scooter, on y va. Reste pas là comme un débile. Chope un véhicule. En fait, oui, c'est de l'autre côté, c'est vrai. J'ai bloqué la voiture, Jake. Ça va, c'est juste à côté. Ça va. On n'est pas loin. J'ai quand même bloqué la voiture. Je veux dire, un caillou, elle est bloquée, quoi. C'est terrible. Salutations. Elena Pierce a de nouvelles missions pour vous. On le sait, Catrap, t'inquiète pas, on va y aller les récupérer tes quêtes après. Oh. On va peut-être même gagner un niveau. Ça m'étonne. Enfin, peut-être pas, mais. Du coup, ils ont tous respawn. T'es où? Je suis en train de me faire bolos par des racks. Alors, cet artefact s'assemble parfaitement avec celui que vous avez déjà apporté comme des pièces d'un puzzle. J'ai vu d'autres objets iridiens fonctionner sur le même principe. Apparemment, ils aimaient les puzzles. Quand toutes les pièces sont en place, l'objet s'active. Il faut trouver d'autres pièces semblables pour qu'on reconstitue l'objet initial ensemble. Et du coup, là, c'était le gros pont-levis qu'on avait. Et on va devoir trouver les ponts-levis. Alors là, si tu peux voir, il y a des concept art. Je sais pas si tu les vois. Des concept art, tu vois, genre sur les armes. Ouais. Alors, Amanda Ray, je ne sais pas qui c'est. Je pense que c'est peut-être une ancienne amie. Tu vois, genre Missing Person. T'as un coffre. Bien ça. On peut même le voir ici. Genre si tu viens ici, je sais pas si tu vois sur la table. Tu peux voir, genre tu vois, t'as un dessin de Skag, un dessin de Rack. T'as des cartes. Ouais. C'est pas mal. Et là, ça c'est quoi déjà? C'est pas un plan de voiture? Ou alors c'est un plan d'un pont? Plan hydraulique, je sais pas. Espérons que vous serez plus dégourdi que le dernier que j'ai engagé.
Hop. Et du coup, on va pouvoir aller se TP. Donc on va les rendre à nos quêtes à New Haven. On va pouvoir les prendre, les nouvelles quêtes à New Haven. Et on va s'arrêter là. Ce qui va quand même être minuit. Oh, j'entends des monstres. Ah oui. Oh, ça devient mal. Attends. Oui, il y a, ouais, il y a un coffre là-bas. Mais on peut pas. Il faut faire tout le tour. Oh, bon, c'est pas grave. T'inquiète pas, quand on... Alors, de mémoire, je crois qu'il y a... Quand on finit le... On fait le dernier boss, il y a pas mal de coffres, je crois. De classe A pour vous, mais elle a refusé. Alors j'ai volé son bras robotique, ce qui l'a forcé à vous l'accorder. Vous pouvez aller de l'avant avec ça. Sommes-nous amis? Je crois que ça me plairait. Oui. Parce que oui, Tanis, comme elle est toute seule, elle croit que on est ses amis. Enfin, on va devenir ses amis au fur et à mesure. Ouais, mon flingue, il fait pas beaucoup de dégâts, mais il est pas mal, hein. Oula. Et du coup, on peut se TP. Ah, tu me dis quand c'est bon ? Oui. Direction New Haven. Ici, on va pouvoir rendre notre quête à Marcus et prendre toutes les autres quêtes. Comme ça, que la trappe arrêterait de nous embêter. Alors, Marcus, à rendre, la quête elle est là-bas. Marcus. Venez voir un peu ce que j'ai à vous proposer. On a récupéré un SMG électrique. Encore une autre arme. Détruisez les caches d'armes et trouvez des preuves. Ah, et oui, on a gagné un niveau. J'ai gagné un niveau. Alors, découvrez ce qu'est devenu Sean Stokely autour de New Haven. Que ça, on cherchera plus tard. Et il faut aller prendre la quête à Elena Pierce. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il y a quand même pas mal de quêtes. Alors, l'autre œil de Jack, tuer Jack le Borgne et rapporter son œil comme preuve. Salutations, Elena Pierce a de nouvelles missions pour vous. Panneau des primes de Middle of Nowhere, s'infiltrer dans Old Haven et découvrir l'origine des signaux de fumée. Et réactiver les deux balises. Et ben ça nous en fait pas mal quand même des quêtes. On a bien fait de débloquer les nouvelles zones. Et du coup moi je vais mettre mon petit hop. Ça sauvegarde là ? Le mieux pour que ça sauvegarde c'est qu'on aille dans une autre zone. Old Haven, New Haven, Rust Common. Common West. Là. Ça normalement, ça devrait être bon. Est-ce que c'est bon? Attention. Oui. Alors du coup, je t'attends. Je te laisse partir en premier. Où ça? Bah sortir. Quitter le jeu. On fait ça dans les règles. Ah attends, c'est comment qu'on fait déjà? Échappe. Quitter vers le bureau. Mais tu voulais pas faire le duel, le duel? Ah oui, c'est vrai. Duel, c'est corps à corps. Donc V. Très malin ça. Voilà. En garde. Comment il triche? Utilise sa compétence. Ah bah, on m'avait pas précisé les règles. Ah! Comment il triche!
Ah, il faut pas sortir de la zone en plus. Ah, et la vache, il s'est amélioré. Ah oui. T'as joué en cachette? Non, 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 certainement pas, non. Quand tu veux. Mais t'es il là? Vas-y, 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 vas-y. Ça me servira à l'entraînement. Oui. Tant que je me heal, on a pas fini. Oui, mais t'étais pas heal. Attends. Je vais aller me heal. Bouge pas. Petit. Voilà, il est déjà arrivé. Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es tapé toi-même? Non, non, je suis comme ça depuis tout à l'heure. Allez, viens de battre. On verra qui s'en sort le mieux. Wow. C'est plus simple. Ah oui. C'est radical. C'est l'arme spéciale qu'on a chopée sur le dernier boss. Allez, okay. Combat de lance-roquette. Non. Non, c'est toujours pas. Bah. Où est-ce que j'ai mis mon lance-roquette? Alors, si tu l'as mis dans ton quatrième emplacement, t'appuies sur ta touche 4. 1, 2, 3. Attends, petit pistolet, sniper, roquette, espèce de mitrailleuse. Donc, à gauche, t'as ton inventaire, t'as équipé. Dans l'ordre, t'as 1, 2, 3, 4. Tu mets ton... Ouais. Pas côté gauche, hein. Pas côté droit, côté gauche. Ah ouais, dans équipé, j'ai RF repeater. Ouais. En dessous, j'ai PP, je sais pas quoi, liquid sniper. En dessous, j'ai rocket launcher. Et du coup, donc tu appuies sur ta touche 3 au-dessus de AZERTY, machin. Voilà. Ah, voilà. Tu crois que t'es au niveau? Ah, il va te falloir beaucoup. Ouais. Ah, mais je vois rien, c'est tellement le poste. Ici, scooter, j'hésite encore, moi. L'arche existe, l'arche existe pas. Je vais viser avec ça. Vise les pieds. Vise en dessous de moi. Non, en dessous de moi. Je fais 2 dégâts. Mais non, mais tu m'as pas touché là. Là, tu m'as touché. Hop. Et voilà. Bon. Chacun une victoire. Oui. Je te laisse quitter comme ça au moins, c'est sûr que ça sauvegarde de ton côté. Hop, quitter vers le bureau. Touk. Alors ça, on n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. Ça, j'ai pas besoin. Ça, c'est là. Hop, discussion seule. Et ben voilà. Bon, on a fait quand même du rab, hein, messieurs, dames. Vous avez du bon gros rab. Hein. 45 minutes, quand même. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, nous rejoindre sur Discord, également pour venir nous faire des petits coucou, de s'abonner à la chaîne Twitch si ça vous dit, ou de nous suivre, hein, c'est toujours ça de fait. C'était Draken et Jake, on vous souhaite une bonne soirée, cordialement bisous.